Surtout que c'est la première fois que je gagne carrément le scratch. D'habitude je faisais tout le temps deuxième de la course. Et là surtout au sprint qui n'est pas vraiment un point fort, je suis très content. Bon, t'es parti de but en blanc, cash, d'entrée de jeu. Oui, on va dire au bout de... Je me suis fait enfermer au départ et puis au bout de 300 mètres j'ai pris les devants. Sans aller vraiment à fond mais sur des bonnes allures très rapides, donc moi qui me convenais. Mais tu te sentais super à l'aise, c'est les bienfaits du stage au Portugal qui ont fait ça aujourd'hui, parce que Abraham c'est pas le dernier, il est resté derrière toi bien planqué pendant toute la course. Ouais, j'ai eu un peu peur sur le dernier tour qu'il me batte, j'aurais été déçu un peu. Bon là sprint c'est encore mieux. Mais oui, je pense aussi que le stage au Portugal a fait du bien, on s'entraîne dans les bonnes conditions.
Et je me suis entraîné jusqu'à mercredi, jeudi, et j'ai bien récupéré les trois derniers jours, on va dire. Bon, ça a été chaud, parce que ça s'est joué vraiment dans les derniers 100 mètres. Si tu avais fait deuxième, tu t'en serais voulu d'avoir mené ta course tout le temps ? Ouais, j'aurais été déçu, mais bon, content quand même de la course que j'ai faite. Dans l'ensemble. Bon, c'est mieux ce que tu as gagné. Oui, là je suis content d'avoir vraiment gagné le scratch. Bon, l'objectif pour toi, la suite de la saison, c'est quoi ? C'est un marathon ? C'est les France de Cross ? Donc, passage obligatoire par les France de Cross, qui est un top 10 pour moi. Essayer de faire mieux que ma 9e place que je fais depuis 3 ans de suite. Et après, oui, je vais faire le marathon de Paris où j'envisage un chrono des alentours de 2h15. Donc l'objectif, tu le mets où ? Sur le marathon ou sur le France ? Le premier, c'était le marathon de Paris. Mais vu ce que j'ai fait aujourd'hui, je vais essayer de miser sur les deux tableaux. D'accord. Et en restant en préparation marathon quand même, premier. Et puis pareil, collectivement, vous avez peut-être une médaille à venir chercher au France de Cross ? Oui, nous, ça va être très aléatoire. Je pense qu'on va encore avoir la médaille au chocolat. Mais bon, on va peut-être avoir le renfort de Yosi s'il peut revenir pour les France. Mais on va tout faire pour finir sur le podium. Avec un bon Freddy Guimard comme aujourd'hui, pourquoi pas ? Oui, je pense que je suis toujours au rendez-vous. J'espère que mes coéquipiers seront aussi au rendez-vous. Donc ça, dans l'ensemble, ça pourra le faire. Merci Freddy, belle course en tout cas. Merci à toi.